YouTube, mais je regarde en ce moment une série. Donc les personnes qui me suivent sur Snap, vous le savez, je suis à fond dedans en ce moment. C'est la saison Pretty Little Liars. Donc là, je suis arrivée à la saison 3, épisode 1. Et j'ai découvert hier soir qui était ce fameux A. Je vous cache pas que j'étais un petit peu étonnée. Mais pas trop, parce que je doutais en fait un petit peu, mais je pensais pas du tout que ça allait être cette personne. Et là en fait je viens de voir, parce que là je suis à fond dedans et je me suis dit ah là, je vous l'ai pas dit sur YouTube, donc je vous le dis. Enfin je spoil rien du tout, hein, vous inquiétez pas. Mais je suis un peu étonnée parce qu'en fait il y a deux A. Enfin il y a deux personnes, donc ça me perturbe de ouf là. Et là je comprends pourquoi la saison au final ça fait 7 saisons, parce que déjà 3 saisons pour savoir qui est A, c'est grave long. Franchement, pour tout vous dire, Ayoub, lui, il est pas du tout patient dans les trucs comme ça. Et surtout qu'en soi, la série, ça l'intéresse pas trop, parce que c'est plus une série de filles. Et moi, j'aime trop, trop les séries où c'est une série de copines, lycée, où c'est des étudiants et tout. J'aime trop. J'aime trop ces séries-là. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette série, parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a l'intrigue, il y a tout. Franchement, je kiffe. Et donc, lui, en fait, il est parti regarder sur Internet qui était A. Et j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça, pour vous dire. Et donc c'est vrai que j'avais grave envie d'aller regarder, parce que ça me saoulait, j'avais trop envie de savoir. Même sur Snap, je me disais, est-ce que c'est cette personne? Mais tu me dis juste oui ou non. Ça me donne pas de prénom, mais tu me dis juste oui ou non si c'est cette personne ou pas, parce que j'avais tellement envie de savoir. Et donc là, je viens de savoir qui était A, mais le truc, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut du mal aux filles. Donc je pense qu'il faudra encore pas mal de saisons pour savoir qui est cette deuxième personne. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'en ce moment je regarde la série Pretty Little Liars. Donc si vous l'avez regardée, dites-moi en commentaire. Je sais que la fin elle est nulle à chier, je le sais, ça on me l'a dit. J'ai aussi entendu parler dans une vidéo d'Oria qui disait que voilà, elle était grave déçue de la fin et tout, parce que elle, ça faisait un moment qu'elle regardait cette série. Moi je viens juste de... Enfin j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais pris le temps de la regarder. Et vu que là, je me suis dit, j'ai envie de me mettre dans une série cette année. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc moi, je finis mon petit yaourt. Et là, je viens de découvrir qu'il y avait une autre personne. Donc je suis à fond dedans et je vous dis à tout à l'heure. Bon, là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire un petit peu du tri. Je range un petit peu mes cours. Comme ça, au moins, bah, c'est fait. Et aussi, je tenais à revenir sur un petit truc, parce qu'il y a certaines d'entre vous, vous me demandez, voilà, Imen, tu fais quoi comme études et tout? Donc je suis en master MEF premier degré, donc pour devenir professeur des écoles. Et donc en fin de cette année, j'ai un concours à passer. Et voilà, j'essaie en fait un maximum de m'organiser le plus tôt possible, en fait, pour pas me retrouver à la fin à tout connaître par cœur. Parce que par exemple, cette année, ils nous ont conseillé pour le concours, pour l'oral, d'avoir un minimum en fait de connaissances sur les compétences et la culture en fait attendues dans le milieu scolaire, donc que ce soit dans le cycle 1, 2 ou 3. Donc en gros, faut que tu assimiles un maximum ce qui est dit dans le bulletin officiel, dans le socle commun. Et donc en gros, avec une pote à moi, on s'est dit l'idéal c'était de sortir en fait tout. Bon, il y a quand même 375 pages dans le socle commun, mais voilà, on s'est dit qu'on allait sortir au moins dans le cycle 2, donc celui du cycle 2, donc là on a tout le cycle 2. Ici on a le programme en fait d'enseignement de l'école maternelle, donc ça c'est trop. Par exemple, j'ai les grands principes du système éducatif, donc voilà, j'essaie en fait de lire un petit peu tous les soirs une ou deux pages, juste voilà, pour au moins connaître un minimum, parce que on sait jamais le jour de... De toute façon, on sait jamais, c'est sûr qu'ils vont nous poser des questions dessus. Donc l'idéal c'est voilà, de connaître quand même un minimum, parce que ce serait bête en fait de pas connaître. Donc voilà, j'essaye de m'y prendre vraiment en avance, de vraiment lire un petit peu tous les jours le socle commun de connaissances, le bulletin officiel, voilà, de lire en fait tout ce qui nous est conseillé en fait pour l'oral. À part, je trouve, je préfère lire en fait sur du papier que sur l'ordinateur, même si si vous me posez la question où j'écris mes cours, parce que ça c'était une problématique à la rentrée. Je sais pas si vous vous rappelez, sur Snap je vous avais dit oh, je sais pas si j'écris mes cours sur l'ordinateur ou sur un cahier ou des feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'écris tout en fait sur mon ordinateur. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lisible et je suis 10 fois mieux que... Et en fin de soirée ou en fin de semaine, je range tout en fait dans mon classeur, tous les trucs qu'on nous a donnés par intercalaire, j'ai toutes les matières. Et voilà, et je vous ai pas montré je vous ai montré sur Snap, mais pas sur YouTube. Regardez mon agenda qu'Ayoub m'a offert, il est magnifique, super joli, il y a des sticks à la fin, franchement il est vraiment vraiment magnifique. Je l'ai acheté à Wonderful, je l'ai acheté à Créteil Soleil, le magasin il s'appelle La Chaise Longue.
Et sinon, il est sur le site Monsieur Wonderful, c'est une marque espagnole, mais il coûte vraiment très très cher, hein. Franchement, c'est... Mais Ayou, voilà, il a vu que je suis tombée amoureuse de cet agenda, il coûte 23 euros. C'est vraiment très cher, mais il est vraiment très bien fait, il est épais, il y a tout. Attendez, moi, en fait, ce que j'ai kiffé, je vais vous montrer... Il est comme ça de partout, hein. Je vais pas vous le détailler ici, mais en fait ce que j'ai aimé c'est les petits, je sais pas si vous voyez correctement, je pense que vous voyez, en fait ce que j'ai kiffé c'est les petites cases, je trouve ça trop mignon. Par exemple, attendez, je vais vous donner un exemple de comment j'ai fait le truc, voilà, par exemple, en fait dès que j'ai fait un petit truc, je coche et je trouve que c'est super bien comme ça, franchement j'aime trop. J'ai une tête qui ressemble plus à rien, mais de toute manière, comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo sur mon organisation, tout ça. Mais voilà, c'était juste pour vous donner des petites astuces et je vous ai même pas montré ce que je voulais vous montrer en fait. Moi je trouve une manière plus simple, au pire des cas, pour apprendre le programme d'enseignement, tout ça, le bulletin officiel, c'est de trouver en fait sur internet, vous mettez par exemple programme cycle 1, carte mentale, et je trouve en fait la manière dont c'est fait, tu peux plus le... La... En fait ça ressemble à ça, donc ça c'est pour l'école maternelle, donc c'est l'écrit, et ça c'est l'oral, donc je trouve que c'est des bonnes manières en fait d'apprendre, c'est une autre manière que de lire en fait ça, parce que ça aussi c'est franchement ça casse la tête au bout d'un moment de lire des choses comme ça. Mais donc voilà, c'est peut-être une astuce que je peux vous donner. Et donc vous trouvez ça sur internet, hein, vous notez carte mentale. D'ailleurs c'est mal sorti ici, il faudrait que je le réimprime. Mais en gros c'est ça, et donc ça c'est pour le cycle 1. Donc ici il y a tous les domaines disciplinaires. Est parti faire quelques petites courses au marché, il a acheté quelques petits légumes et ça par contre je sais pas ce que c'est, parce que je viens de sortir de la douche et il vient de rentrer. Ça doit être de la dinde. Ah cool, ok, bon bah très bien, je pense qu'on va manger ça ce soir, je pense, ouais, on va voir. Aux lèvres de chez Kiko, j'ai les lèvres toutes douces et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais partir voir ma soeur juste au-dessus de chez moi, parce qu'elle habite au-dessus, pour me faire un brushing, donc je vais peut-être les sécher avant, comme ça au moins elle galère pas, enfin ce sera plus rapide que si elle le veut, elle sèche et tout, et voilà, donc moi je vous retrouve après dès que j'ai fini mon brushing, en espérant qu'elle dort toujours pas, mais normalement pardon, c'était prévu qu'elle me fasse un brushing, donc je vais voir avec elle et je vous retrouve après. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ayou. Coucou. Ça va et toi? Ça va. Alors demain la reprise des cours. Ouais, ça y est. Ouais. Si vous vous demandez, Ayoub il est en AES. Ouais mais ça va, toi t'as repris le 15, moi j'ai repris le 28. Et moi ils ont repris la semaine dernière les CM. Ouais. Et donc là c'est... C'est les TD. Ouais c'est les TD. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Et t'as pas été beaucoup au CM? J'ai pas été du tout. Mauvais élève. Prenez pas l'exemple d'Ayoub. J'ai pas été du tout au CM. Ouais, mais ça va, t'es prêt pour une nouvelle année? Ouais, ça va. Ouais, t'es pressé ou pas? Ben, à la pré-rentrée, il nous a pas mis trop de pression. Donc ouais. Je me dis, est-ce que c'est un. Ouais. C'est un vice ou est-ce ouais, que grave. C'est. Ouais, grave. Bah, c'est pas plus mal, hein. Ben, l'année dernière, il nous avait dit, ouais, vous allez être une personne sur trois à passer. Grave. Le camarade qui est à côté de vous à droite n'a pas passé, lui avec la gauche n'a pas passé. Grave. Donc. Ouais, mais quand même, en AES, ils sont hyper sélectifs. Ouais, hein. Mais là, ils ont filtré, là, on est dans l'amphi, il est vide. Ah ouais, ouais. Vous êtes combien? Ouais, même pas 80. Non. Ouais, 80, 90 maximum. C'est tout ça. Donc il ouais. Y a combien de classes? 4 4 ou 5 classes. Ah oh, bon, ça va. Mais on est 15, 20 par classe, donc ça va. Ah bon, ça va. Ouais. Ça va. Donc là, tu commences à quelle heure? 8h30. Ah, ça va piquer. Ouais, mais j'ai un SEM dehors, t'as 8h30. Non, mais t'y vas là. Ouais, je sais pas si. Non, tu
tu commences pas. Mais tu sais que je savais même pas que t'avais TCM. Je savais que t'avais deux CM. J'étais en cours de socio en CM le matin. Bachet ? Non. Mais... Thomas ? Ouais. Ah, trop bien. Ah, et cool. Voilà. Tu vas voir, tu vas le kiffer. Ouais. Il était vraiment top. Hein. Et bah, je vais te dire un truc que j'ai pas dit face à tu voulais dire je quoi? Je vais terminer un prof, mais on sait jamais. On sait jamais s'il tombe sur ma chaîne. Ils vont m'envoyer un mail. Enfin, on va manger quoi ce soir? Ouais, je vais faire des toasts. À quoi? Au poulet. Ah ouais, au poulet? J'ai acheté du poulet tout à l'heure. Ah cool! Oui, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu. Oh, mais t'en as acheté beaucoup! Ouais. Et là, c'est. Oh là! Mais ramasse-le! Non, ça c'est du poulet, ça c'est de la dinde, pardon. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça, c'est du poulet. Ah bah c'est bien! Non, ça c'est de la dinde, ça c'est du poulet. Ah! Voilà, on va manger ça, c'est là. Mais tu vas les toaster, comment ça? T'inquiète. Ok. Te casse. Seuls les murs. Reste en place. Et c'est ça que Ayub parlait quand il disait qu'il allait toaster les sandwichs. Donc là, on va manger avec mon petit neveu et ma sœur. Je te montre pas, elle veut pas. Donc voilà, ça ressemble à ça. Attends, on voit pas très bien. Voilà, donc on va manger et on se dit à tout à l'heure, Aidan. Bon, je vais clôturer le vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une très très bonne semaine à vous tous et on se retrouve de toute manière très très vite dans un nouveau vlog. Suivez-moi sur Snap parce qu'en semaine j'essaye de snapper un petit peu pour vous tenir au courant de ma semaine, de ce que je fais, des idées que j'ai peut-être au niveau de mon organisation, au niveau des cours. Donc voilà, si vous pouvez, bah, n'hésitez vraiment pas et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!